Depuis la page d'accueil de Whoosh, cliquez sur « Stationner par mobile ». Saisissez alors votre identifiant et votre mot de passe. Puis cliquez sur « Confirmer ». Choisissez votre plaque d'immatriculation. Puis, ici, indiquez la ville. Si vous utilisez une application sur smartphone, la ville sera automatiquement détectée. Saisissez ensuite le nom de la rue où est stationné votre véhicule. Puis cliquez sur « Rechercher ». Vous voyez dès lors apparaître sur la carte ci-dessous l'emplacement des horodateurs disponibles. Cliquez sur celui qui est le plus proche de votre véhicule. Cliquez ensuite sur le nom de l'horodateur. Choisissez votre durée de stationnement en cliquant sur le nombre de minutes ou d'heures. Nous allons choisir un stationnement de 15 minutes. Cliquez ensuite sur « Confirmer ». Vous obtenez un récapitulatif de votre stationnement. Cliquez ensuite sur « Acheter » pour effectuer l'éventuel paiement. Si la durée de stationnement choisie n'est pas suffisante, vous avez la possibilité d'étendre cette durée. Pour cela, cliquez sur l'onglet « Mes tickets ». Cliquez sur « Étendre ». Vous retrouvez l'écran habituel vous permettant de choisir la durée de stationnement. Cliquez par exemple sur « Une heure », puis sur « Étendre ». Cliquez à nouveau sur « Étendre » pour effectuer votre paiement.